Chloé a suivi une scolarité normale. Passionnée par le dessin, elle veut devenir architecte d'intérieur. C'est vrai que le dessin, j'ai toujours aimé ça. Je vais en faire mon métier d'ailleurs, puisque c'est quelque chose d'accessible à mon handicap. Ça ne nécessite pas énormément de force, mis à part déboucher les crayons. Mon plus gros espoir, ça serait de garder cette petite autonomie que j'ai, c'est-à-dire pouvoir dessiner, pouvoir manger toute seule. Le plus longtemps possible. On sent bien que les muscles s'amoindrissent et qu'elle a moins de force. On ne veut pas penser à comment elle sera dans 10 ans. On fait au fur et à mesure. Mais si sa maladie pouvait s'arrêter juste là, qu'elle arrête d'évoluer, ça serait...